Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement dans ce jour-ci pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Parce que vous le savez, je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PVP faction du moment les amis, je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, on va faire un autre boss tour série, donc juste avant que la vidéo commence, je vais juste vous dire que j'ai fait ma dernière vidéo. Nous avons fait un straw poll dans la dernière vidéo, je vais la remettre dans celle-ci, donc si vous voulez qu'on retire les trappes, les AP, bref, tout ce genre de trucs-là, go dans le straw poll dans la description. Ou si on fait tirer un concours pour gagner un grade élite, qui est un grade le plus cher sur le serveur. Donc si vous avez besoin d'un grade élite sans payer, vous pouvez aller vous rendre sur le Twitter du serveur et puis vous allez pouvoir voir tout ça. Donc, let's go. Aujourd'hui, les amis, j'ai choisi de présenter deux bases. Les deux bases sont quelque chose de spécial en commun. Donc, les deux bases sont claim et décoré. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un système de chambre slash... Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. On va commencer avec la première base qui est celle de Iceberg. Quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas d'autre chose à vous dire, juste que si la vidéo vous fait plaisir, laissez un pouce bleu et partagez-la avec un de vos amis, ça me ferait super plaisir les amis. Et puis, continuez à rejoindre K-Faction, on est rendu près de 6000 personnes uniques qui ont rejoint le serveur, c'est juste un truc de fou. En plus, on a des nouveaux partenaires qui se rejoignent au serveur, donc on a Okila qui s'est ramené sur le serveur, on a plein d'autres partenaires sur le serveur. On prépare une page de statistiques, puisque vous allez pouvoir voir toutes vos statistiques de coin flip, de points que vous avez amassés, plein de trucs comme ça. Ça va être vraiment, vraiment exceptionnel sur le site, ça va sortir au courant du week-end, donc si vous êtes chaud à l'idée, go mettre un pouce bleu! Donc, yep, on est dans la base de Iceberg, si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc, on va remonter tout en haut, parce que ici on est au un des derniers étages. Donc, en gros, je vais commencer du début. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que c'est un système de chambre. Donc, en fait, lui, il a sa chambre avec ses, sa faction. Donc, on est dans le clim de sa faction. Vous voyez ici, il y a ses coffres, etc. Puis ici, hop là, hop, j'arrive pas, voilà. Ok, ici on peut voir qu'il y a des portillons, etc. Bref, voilà, ça c'est sa faction Poppers. Ils ont des claims et chacun d'entre eux a des chambres. Donc là, je sais pas c'est quoi ça. Mais on peut voir qu'ici, quelqu'un s'est fait péter ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, c'est une base full décorée. Mais, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment juste la chambre de ce joueur-ci. Pour vous montrer qu'il y a vraiment des joueurs, même si vous avez juste une chambre dans une grosse faction, vous pouvez quand même faire de la décoration. Comme vous voyez, on fait un genre de système de mine. Ici, on peut voir, c'est la chambre d'une autre personne. Ils se sont fait raid, à ce que je peux comprendre. Mais, Iceberg n'a pas l'air d'avoir été touché par ce raid, comme vous pouvez le témoigner. Donc, on peut voir, il y a toujours ces stuffs qui sont ici. Il est pas super, super riche, hein. Mais au moins, il y a quand même un peu de stuff. Il est pas pauvre, comme on peut le voir. Ça aussi, c'est vous pourquoi il y a autant de notes blocs. Parce qu'on avait fait une erreur à la place de mettre des trucs qu'on avait fait. Ça, ça c'est une trap no heal, hein. Ça, c'est pas très gentil, mais bon. De toute façon, on va les désactiver. Donc, en gros, vous arrivez ici, vous avez son petit stand, vous avez ses coffres. Sa table d'enchant. Vous avez ensuite un panneau qui est marqué « Bienvenue dans la chambre de Iceberg ». C'est en affaire de potions. On a quoi ici ensuite? Là, on a quelque chose, une salle secrète. C'est censé être une salle secrète, je pense. Mais elle a pas l'air de fonctionner. Donc, oh mon dieu, il y a bien des clés dans cette chest là. Ici, il n'y a rien d'autre. Ok, le passage secret est ici en bas. Boum, on descend. Et là, c'était à l'étage où on était tout à l'heure. Donc, c'est un système de mine. Je sais pas pourquoi il y a des pistons un peu partout, mais... Système de table d'enchant, etc. On descend dans la mine. Boum, système de minecart. Oh, il y a une plaque de pression ici, c'est quoi? Une salle des coffres avec beaucoup d'items, comme on peut témoigner. On descend ici, y a-tu du minerai dans le four? Non. Ici, y a-tu du minerai? Non. Ici, y a un autre passage qui a été bouché, par exemple. Je sais pas pourquoi. Oh, shit, ok. Une chance que j'ai découvert ça, c'est quand même propre. Ici, on peut voir, il y a des items à potions. Donc, il doit faire ses potions ici, maintenant. Vraiment badass. Et ici, ça continue dans une vraie grotte. Et là, si je me trompe pas... C'est une base sécu. Eh oui. Pas mal, pas mal. On va juste reboucher comme c'était. Bien joué. Il y a quelqu'un au-dessus. Je sais pas c'est qui du tout. Slash near. Ah, c'est peut-être juste des mobs. Oh, putain, je suis con. Oupsie. Donc, on va juste reboucher ça pour pas qu'il se fasse piller par là. On va continuer à visiter, les amis. C'est vraiment badass, ta base, gros. Franchement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des bases. Dites-moi, ouais, je la trouve belle ou je la trouve moins belle. Je vais juste mettre un truc de verre, là. Sans issue. Là, ici, on peut voir qu'il y a des spawners. Ça, ici, c'est sans issue. Donc, on va y aller après, peut-être. Ici, on a quoi? Juste de l'or. Ici, on a un coffre. Oh!
On a une autre petite salle qui sert à rien pour l'instant. Peut-être qu'il va l'aménager dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Il y a rien. Nice, tu m'as bien bait. Ici, c'est quoi? Le bateau arrive, reculer le... du quai. Donc là, il y a quoi? Rien là, c'est juste une grotte qui a été bouchée. Pas pire, pas pire. Ici, issue sans issue. Il y a des spawners. Des spawners. Ok, hop là, je vais juste essayer de remonter en haut, les amis de l'internet. Ok, il y a là le trou. Phew. Et ensuite, on peut aller par où? Parce que là, moi, je suis un peu perdu, là. Vous comprenez, mes très chers amis de l'interweb? Bon, on va quand même descendre par là, dans le fond, parce que... Là, il y a un autre genre de passage ici. Hop là, tabarnak de calice. Merci. Ok, voilà. C'est un peu perdant, son affaire, mais... On peut voir qu'il y a des spawners. On va juste prendre une boussole, puis on va aller voir à travers les murs! Parce qu'on est un Tug Life. Whoop-a-lay. Ok, on est sur la protection. Ouais, comme je vous disais, c'était une base protect dans le fond. Ok, là, on était à ces spawners. C'est là qu'on veut aller. Et là, ici, boum. On tombe au dernier étage. Que d'après moi, il n'y a pas terminé, comme on peut voir. C'est pas 100% terminé, mais c'est vraiment badass. Je sais pas, je suis en train de réfléchir, désolé. Vous savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait beaucoup penser au. Au spawn de serveur, genre. Tu sais, les spawns de serveur, c'est tout le temps, genre, quelque chose de comme ça, à peu près. Puis là, les gens arrivent au spawn là, etc. Non, il y a un autre truc en diamant, lui. Damn, that guy is rich. Donc voilà, les amis, vraiment superbe base. Ah, c'était dans le coin ici. Bon, je devrais faire quelque chose pour descendre du tout en bas, mais bon, on verra dans le futur. Peut-être que je repasserai dans cette base-ci. Aussi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour update de la slash favoritis, slash unwary, ainsi que la MST? Des factions que je n'ai pas nécessairement, que j'ai présentées il y a longtemps, ou si vous voulez qu'on présente juste des factions un peu moins bas, un peu moins fortes, disons la Fury, TVL, des trucs comme ça. Donc je me rends, dites-moi dans les commentaires, et puis je me rends à la prochaine base, à tout de suite. Les amis, nous sommes rendus dans la base numéro 2, celle-ci est la faction, je sais pas, mais on va le découvrir assez rapidement. C'est vraiment beau, ils ont fait un thème de jungle, les amis, et franchement... Ça rend super badass. Donc, je vais juste vous... Il n'y a pas vraiment grand-chose à vous présenter à part. Faites juste regarder, les amis. Et puis, franchement, c'est vraiment magnifique. Honnêtement, ça doit être la plus belle base qu'on a jamais eue sur K-Faction, carrément, les amis. Regardez-moi ça, les amis. On fait de la végétation. Il y a des moutons et tout partout. Il y a énormément de choses. C'est juste incroyable. Je viens de recevoir un message sur Discord. Incroyable. Hop là. Incroyable, les amis. Il y a de la végétation partout. Ils ont des poulets, des moutons, des mushroom cows. Ils ont aussi des camps normales. Ils ont plein de trucs. Ça l'amène où ça? Impasse des Roumains. Ah, c'est pas très gentil, ça. Pauvre Roumain. Imaginez, les Roumains voulaient y aller là. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Pourquoi il y a 50 portes, esti? Ok, je les laisse toutes ouvertes parce que tu m'as troll, ok? Même chose ici. Je me suis appris encore. Tabarnak! Pardon, faut pas que je crie parce que ma mère adore quand même. Après ça, je vais me faire enculer. Puis là, après ça, je vais pleurer. Puis là, après ça, ça va être la merde. Vraiment badass comme base. Pourquoi ils meurent? Ils sont en train de tout mourir de noyade. Comment on fait pour aller au côté de la map? Ok, ici, c'est quoi? C'est quoi qui est marqué? Rue de la Liberté. Ok, nice. On peut monter ici. Nice. Vraiment badass, franchement. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est la plus belle base. Puis ça, c'est des chambres. Regardez ici, il y a une chambre de quelqu'un. Ils ont toutes des chambres. Bon, je vais pas présenter exactement toutes les chambres. Mais peut-être qu'on peut faire une base tour série sur toutes leurs bases. Genre, en gros, je parlerai avec chacun des membres de chacune des petites chambres, etc. Expliquer pourquoi ils ont eu cette idée-là, qui a construit tout ça. On pourrait faire avoir une interview avec eux, ça pourrait vraiment être intéressant dans le futur. Je sais qu'il y a une autre place. Attendez, c'était ici, je crois. Ouais, ici, regardez, la faction, c'est vraiment énorme. Ils ont énormément de trucs. C'est super propre. Ici, ils ont un autre truc à virer. Ils ont une salle de conférence. Ça continue de monter ici. Ils ont continué à faire d'autres trucs là. C'est juste incroyable, leur base, les amis. C'est insane. Puis le plus grand dans tout ça, c'est que c'est protégé. Puis en dessous, au-dessus de ça, regardez ce qu'ils ont. Une énorme forme à cactus qu'ils sont en train de construire qui va aller jusqu'en haut là. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Hein? Je vais juste vite fait vous dire c'est quelle faction. Oui les amis, c'est la Acrosky. Donc c'est pas une petite faction. Je sais pas s'ils ont beaucoup de points. Mais ils sont quand même vachement badass niveau construction.
Et ça, c'est un bloc de mycélium. Je sais pas ce que ça fait là. Ah! Ok, s'ils ont des mushroom cow et qu'il y a un bloc de mycélium là, peut-être qu'ils sont dans un mushroom cow biome. Ha ha! Je suis prêt à parier 100 piastres, ok? 100 piastres. Si je n'ai pas raison, vous me donnez 100 piastres, hein? Qu'est-ce que c'est? Sinon, je vous donne 100. Ah! Voilà, mes amis gosses de l'internet! Oh. Je vous l'avais dit. Il y en a 3 dans tout le serveur, si je me trompe pas. Donc, si vous saviez où ce que celui-ci est, ben, venez les piller. Allez, salut! Non, mais franchement, vraiment badass votre base, les amis. Vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment la plus belle base du serveur, selon moi. En plus, je pense qu'on avait présenté le râpé. Attends, je vais juste. F-show à. Y a Kiki dans cette faction-là. À. Agro Sky. Agro Sky, peut-être comme ça. Faut pas avec un K. J'ai aucune idée, gros, mais. Yo, ouais, voilà. Je pense que ça, c'est l'AP. Non, ça, c'est le réforme, c'est ça. Ok, mais ils ont une putain de belle AP aussi. Leur AP là, tu sais, l'AP en neige que j'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, pis tout, c'était celle-là, vraiment magnifique. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Donnez-moi vos avis sur la plus belle base entre les deux dans la description. Et puis, selon moi, c'est celle-ci, mais l'autre reste quand même vraiment jolie. Sur ce, je vous aime, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Tycons. Ciao, ciao!